Salut à tous, et Kiwi, on retrouve Peter Parker pour le 11e épisode de The Amazing Spider-Man 2. Si vous aimez le contenu et que vous souhaitez m'envoyer de la force, les petits amis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un maximum de commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines aventures. Et on se retrouve, les petits amis, dans cet épisode dans lequel on va commencer par parler à Wilson Fisk, dans ce petit bar un peu branché là, dans lequel j'aimerais bien... mettre les pieds dans la vraie vie. Ça doit être assez sympa. Petit bar théâtre. Ou salle de conférence. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, est-ce que vous êtes chaud? Allez, let's go. Hé hey, dégage. Donc, je vais expliquer à Whitney Chang qu'il n'a rien à dire sur les mafieux russes ligotés au sous-sol? Laisse-le. J'aime l'audace de ce jeune homme. Je vous conseille de garder ça pour vous. Vous ne feriez qu'avantager ces criminels. Ils veulent que le public ait peur de soutenir mes efforts contre le crime. Mais si personne n'apprend rien, ils resteront impunis. Et ils recommenceront. Oh, faites-moi confiance. Oh non, ils ne resteront pas impunis. C'est censé vouloir dire quoi? Que la brigade spéciale s'occupera d'eux. Nous avons déjà rassemblé beaucoup d'informations sur cette organisation. Personne n'a encore réussi à les arrêter. Ni la police, ni Spider-Man. Ne me parlez pas de lui. Spider-Man. Il se prend pour un super-héros. Mais il a laissé le crime empirer. La police est limitée par nature et par le manque de moyens. Mais pas Spider-Man. S'il n'a pas encore arrêté ses vermines, c'est soit qu'il est incompétent, ou bien qu'il s'en moque littéralement. Qu'est-ce que vous avez contre Spider-Man? Vous semblez pourtant vouloir la même chose. Si Spider-Man compte agir en marge de la loi, on pourrait s'attendre à des résultats plus... convaincants. Mais il se contente d'arrêter de petits délinquants. C'est un amateur. Une tête brûlée. Il ne vaut rien. Mais les enfants ont l'air de l'apprécier. J'ai d'ailleurs obtenu le droit d'utiliser son image. Le quoi? Ce carnage killer, alors, est-ce que la brigade le cherche aussi? Nous faisons de notre mieux pour arrêter les criminels de toutes sortes. Mais il est plus difficile de trouver un homme isolé qu'un gang entier. Et je parie que ça ne vous dérange pas trop qu'il tue les crapules qui vous dérangent? Oh, je ne dis pas que j'approuve ces meurtres. Mais vais-je pleurer ces victimes? Non, pas du tout. Vous parliez d'informations. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Les Russes sont malins. Ils forment des cellules, des groupes indépendants les uns des autres. Quand un groupe est arrêté, il y a rarement d'autres arrestations. Mais... il doit bien y avoir quelqu'un qui mène la danse. Oui, ils ont effectivement une base d'opération. Mais peu d'entre eux savent où elle est. Ce ne sera pas facile de la trouver. Qu'est-ce que vous avez contre Spider-Man? Vous semblez pourtant vouloir la même chose. J'ai relancé... Si Spider-Man compte agir en marge de la loi, on pourrait s'attendre à des résultats. Cette guerre causera la perte des gangs de la ville. Plus ils deviennent violents, plus ils ont de mal à se cacher. Attendez, vous dites que les Russes continuent d'acheter des armes clandestinement? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne fais que financer. Je laisse les criminels aux vrais professionnels. Bien, sur ce, j'ai des fonds à lever. Sympathique le personnage. Oui, moi aussi j'ai des choses importantes à faire. Ok, objectif principal effectué par la monsieur Fisk. Maintenant quitte le théâtre. Mais j'ai pas tout trouvé.
Il me manque un audio et une enquête photo là. Je sais pas pourquoi, mais ah, c'est compliqué. Putain, c'est vraiment dommage. Non mais comment j'ai pu rater ça? Il va falloir que je revienne. Pff, encore des montages à faire. Les petits amis, encore des montages à faire. Eh bien, je vais pas avoir le choix malheureusement. Bah allez, c'est parti. Et un chien qui aboie. Remarque, ça fait réel, hein. On se croirait vraiment dans New York. Hein. Comme dans la vraie vie. Sauf que là, le chien qui aboie, c'est en bas de chez moi. Bon, ben voilà. Voilà. On a fini cette mission. On aurait pu presque la terminer dans l'épisode précédent, en fait. Hein. À quelques minutes près. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'on fait ? La carte que j'ai trouvée montre que les Russes travaillent avec une compagnie de transport. Ce serait la façade idéale pour introduire des armes clandestinement. Ce camion va me conduire directement au chef de la mafia russe. Ah bon ? Ah bon. Trouve le repère russe. Ben, je l'ai déjà trouvé. On y retourne donc ? C'est quoi ça ? Trouve les bombes et jette-les dans un endroit sûr. On va au camion ? Il a pas voulu lancer sa toile, oh, c'est parfois fou ça. Je rêve de partir pour Hawaï. Mais il y a sûrement nulle part où se balancer. On est juste à côté. Allez. Accrochez-vous. Attachez vos ceintures. Suivre les gangsters russes, oui. Non. Non, attendez. Il y a peut-être... Ah, je sais pas. Est-ce qu'on lance cette mission ou pas? Allez, si, on y va. Allez, c'est parti. Vite, avant que ces crétins de la brigade nous voient. T'inquiète, on a mis le feu à une bagnole ailleurs. Ça les occupera un moment. C'est quand ils veulent, les gars. C'est quand ils veulent. Personne n'est en sécurité. Ça fait des années que j'ai pas eu à jouer les larbins. Moi non plus. Mais c'est pas pour rien qu'on a tenu aussi longtemps. La plupart de nos soldats ne connaissent même pas cet endroit. Ouais, ici... on est tous des gros bonnets. Ok, détruit les laboratoires mobiles. Ok, donc la mission n'est pas encore finie. Son et enquête photo. C'est pas encore terminé, c'est quoi. C'est ce qu'on dit à propos du tueur? C'est un de ces mutants? Il paraît qu'il est normal. Si c'est vrai, il jack l'éventreur. Son du jour. Va mourir. Et voilà. On me tire dessus de partout là. Où vous êtes? Ah mais je vois un truc là-haut. Parfois on est tout simplement au top. Attendez, je reviens les gars. Je reviens. J'ai trouvé un truc. Killer a tué trois de mes hommes. Et si on ne l'arrête pas bientôt... Patience, Micha.
fait des progrès. Allez, je le vois. Ferme-la un peu. Oh non, si t'étais debout, tu serais impressionné, vraiment. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? C'est juste Spider-Man, les toi, mecs. Mon vieux. Juste moi. C'est ça que tu fais? Tu pensais que j'allais rester planté là? Quand tu fais si peu d'efforts. Raté. J'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Ah oh, là, vous êtes tellement faible. Alors, vous êtes le méchant tellement faible. Bon, pas vrai? C'est le genre d'artillerie lourde qu'on trouve sur un champ de bataille. Je peux pas les laisser s'en servir. C'est cassé. C'est cassé. Putain, la force incroyable de Spider-Man. Et mon cœur fait boum. Et ça fait bim bam. Non, je plaisante. Non, jamais voilà je ne chanterai ça. Je ne chanterai jamais ça. Je suis où là? Attendez, il faut que je grimpe. Il faut que je prenne de la hauteur un petit peu. Résister à ça. Il y avait des photos à prendre ici ou pas? Non, je ne crois pas. Je le tiens. Hey, observe bien. Je le ferai qu'une fois. Leader Slam! Je m'entraîne à trouver des phrases accrocheuses. Alors? Est-ce que genre toi je peux t'attraper discretos? Du coup je t'ai même pas dérangé quoi. T'es sérieux mec? J'ai laissé tes narines libres pour que tu ronfles pas. J'ai laissé tes narines libres pour que tu ne ronfles pas. Il est sérieux. Allez vas-y prends ça Spidey. Prends ça. Merci. Je scrute à tout ce qu'il y a ramassé partout là. Oh, c'est incroyable. Il y a plein de trucs partout à ramasser. Hop, discrétion. Et maître de sûreté. Tu pourrais dire des phrases typiques de méchants. Du genre... Sois maudit, Spider-Man! J'adore celle-là. Ouais, où ça? Ok, je t'ai vu. Trouvé, t'as plus d'armes. Non, viens, je vais te dire coucou. Peut grimper ici là. Ouais. Il paraît oh, que merde. Les méchants se considèrent pas comme méchants. Mais bon, tu dois bien réaliser. Après, il y avait une grosse brute juste à côté de celui-là. Merde, raté. Je tape pas le bon la bonne cible. Bien voilà. Sûr, le Daily Bugle n'a jamais de photos de moi dans des moments pareils. Je peux pas laisser traîner des armes aussi dangereuses. Tant que je fasse ce que je fais le mieux. Casser des et choses. Et de deux. Le rapport de police disait que 4 caisses ont été volées à Oscorp. Ça veut dire que j'en suis à la moitié. Il y a un mec par là. Je peux l'attraper? Ah, il y a l'audio manquant là, je crois. Mais, Spider-Man, pourquoi tu galères autant, là? On le tient. Oh, je voulais lui faire la fête discrètement, et j'y suis pas arrivé. J'ai trop fait parfois, capter, quoi. Je m'impressionne. Ah, c'est pas l'audio, zut. C'est mon jour de chance. Ah, c'est dommage.
temps de réfléchir au mal que tu as fait. Oh, il s'est pris un coup de savate à travers la mâchoire, lui. C'est quoi ça? Les amis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une armure de rhino, ça. Je crois. Excellent. Vraiment? On dirait un rhinocéros. Ça peut pas être si dangereux. Je vais envoyer les photos à Jameson et laisser la police fermer cet endroit. Incroyable, j'attendais de toi des photos de grande qualité par cœur, mais celles-ci vont devoir faire l'affaire. Ouais, bah, calme-toi. Toute l'organisation. Calme-toi. Donc les photos ont été prises, il me reste plus qu'un audio à trouver dans cet entrepôt. Et on sera pas trop mal. Faut pas que j'attire l'attention des mecs principaux là. Ah, Il m'a pas vu. Voilà, détends-toi tant mieux. Et profite d'être inconscient. Je tiens. Non, tu me tiens pas. C'est moi qui te tiens. C'est pas ta faute. Tu n'es pas... Non, t'es mort. C'est moi qui te tiens. Par la barbichette. Le premier de nous deux qui dormira. Il n'y a rien par là, à part ça. Pile ce que je voulais. Moi je prends, hein. Les petits amis, il y a moyen d'améliorer un petit peu nos capacités ou pas? Avec tout ce que je ramasse là. J'ai envie de vous dire, bien sûr que oui. Adhérence, pas mal ça. Front de 2. Vitesse de chargement. Vous savez quoi? Je prends ça. Pour faire des secousses sismiques encore plus rapidement. Ok, je vois plein de trucs par là. Ça, c'est quoi ça? Moi, je veux ça, moi. Oh ouais. C'était juste... Ok, il n'y avait rien de... Rien de bien important. Il y a un truc à casser par là, mais on va aller d'abord s'occuper du mec qui fait la garde juste au-dessus, sauf si j'aperçois encore un truc dans le coin. Oh, lui, il me tente bien, lui. Lui, il me tente. Il me chauffe, lui, là. Eh, hey, t'es au courant? On a eu Carnage Killer. On l'a eu. C'est le groupe de Sacha qui l'a amené. Ici, ils sont cinglés. Lucas, non. Il a rien d'un monstre. Casse-toi. Il est même pas costaud. Ouais, bah ça me fait une belle jambe. J'ai vu ce qu'il avait fait à Vassili. J'ai pas envie d'être aussi près de lui. Ils ont tous peur de Carnage Killer. J'ai ma petite idée sur le personnage, moi. Moi, je pense savoir qui c'est. Par ici. Chut, on bosse là. Je peux le casser ça? Voilà pourquoi on peut pas casser des armes aux méchants. Je laisse traîner n'importe où. Voilà, et ça. Juste pour le fun. Je regrette de pas avoir installé d'arroseur automatique. Le mec, il fout le bordel dans toute la ville. Peut-être pas sortir par là. D'ailleurs, où est-ce qu'on est dans la ville, là? Oh, on peut pas le voir. J'ai toujours pas vu le dernier audio, hein. Ah, c'était pour déstabiliser le mec qui était sur sa...
sur sa plateforme, d'accord. Bon alors toi... Alors toi... C'est vrai, on a chopé Carnage Killer. Les gars sont en train de l'accueillir comme ils le méritent. Ils devraient le tuer, tout de suite. Bam, circuit filé. Arrête de t'inquiéter comme une grand-mère. Je l'ai vu. Il fait moins le fier maintenant qu'on le tient. Il nous supplie d'épargner. Fais ce que tu veux, mais j'arrêterai de m'inquiéter quand il sera mort. Ah, finir par me tuer. Il faut que j'intervienne, maintenant. Ta mère t'avait dit que tu pourrais devenir ce que tu voulais? Elle avait tort. Non. Pas bien, ça. C'est pas bien du tout, ça, mon gars. Parfois, on est tout simplement au top. Allez, soigne-toi. Des caisses par là, et je sais pas si c'est des caisses genre pour lancer sur les ennemis en plein milieu du combat ou si c'est des trucs de vie là, des trucs de ouais, non, c'est pas ça. Ça va, on peut continuer un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? La leçon du jour: éclater les sales types, c'est éclatant. Bien, Spider-Man. Voilà pourquoi on me trouve génial. Il faut qu'on parle des efforts que tu as fournis. C'est mauvais. Ok. Toujours un autre jeu à trouver. Si ce type disait la vérité et qu'ils ont attrapé Carnage Killer, je dois les arrêter avant qu'il le tue. Oh putain. Comme c'est pas gagné, pour hein. N'importe qui. Il y en a tellement des ennemis dans cette ville là. Il y en a tellement. Est-ce qu'il y a moyen de les choper un par un? Je viens d'appeler David. Il dit que Carnage Killer est toujours ligoté. Si ça se trouve, il est pas tout seul. Il a peut-être des potes. Ils ont peut-être une armée. Ouais, et peut-être que ta mère t'a bercé trop près du... Et hop, un moins. Tu vas mourir. Tu crois ça? Moi, je crois pas, moi. Une fois, j'ai combattu un type, c'était un vrai loser. Et il était quand même meilleur que toi. Il se démerde, le mec, hein, oh. C'est ça, viens par ici. Tout le monde. Il se démerde pas mal, hein. J'étais un tout petit peu touché. Alors... Où est-ce qu'on continue? Par là? Par là, là, ici, là? Oh, allez, vas-y, ne tombe pas, Spidey. Fais pas le con, là, s'il te plaît. L'épisode est censé durer que 30 minutes, à pas une heure et demie. Hein. Mais je ne veux vraiment rien louper. Ça m'embête ce que je vois là. Ça m'embête sérieusement. Déplace toujours aussi lentement. Parfait, tout ça, parfait. Yes. Deuxième massacre. J'accorde la note maximale à Spider-Man. Bon, seule manière d'empêcher ces armes de tuer, c'est de les détruire. Heureusement, c'est ma spécialité. T'as tout à fait raison. Détruis les laboratoires mobiles. Ça, c'est fait.
Puisque je te dis qu'il est toujours au même endroit, tes gars paniquent comme des gamins. Je veux bien te croire, mais montre-le-moi pour que je puisse leur dire que je l'ai bien vu. Vieux, prends une photo avec ton portable. Ça va les rassurer. On lui a mis une bonne raclée. Là, tuez-le ! Qu'est-ce que c'est ? Y a quelqu'un ? J'aime les armes comme j'aime le chocolat. Fondu et en tout petits morceaux. Allez, prends ça là, prends ça. Faire saigner. Voilà. Voilà. Oh là là, je m'en suis occupé au moins. Enfin, et j'ai réglé le problème de moins 4 mecs d'un coup. C'est pour tester ton niveau. Il y en a encore un qui me tire dessus. Ton arme, s'il te plaît, merci. Et si je me perche sur un truc comme ça là? Est-ce que du coup t'es deg et tu peux plus rien faire? Bien, Spider-Man. Voyons ce que tu peux faire. Ah, j'arrive, j'arrive. Eh, observe bien. Je le ferai qu'une fois. Voilà, je suis là. Tu m'as provoqué, je suis là, cher ami. Pourquoi ils sont pas tous comme ça? Faut passer par où? Par en haut là? Oh là! Oh là! Oh là! Je t'avais pas vu toi! Je ne t'avais pas vu du tout! J'ai toujours pas trouvé mon audio, je suis dégoûté! Prends ça! Mon audio! Trouver un moyen d'entrer dans le hangar. Non. Non, pas par là. J'ai pas fini encore. J'ai pas encore fini. C'est pas ta faute. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Ok, t'es mort. Il doit y avoir une autre entrée moins bien gardée que celle-là. Oh, ça va, ça va, ça va. Moins bien gardé, j'ai pété la gueule à tout le monde, quoi. Encore un hangar, encore un gros hangar. Eh ben c'est parti. Pitié, vous devez me croire, il y a erreur sur la personne, je suis publicitaire. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un est venu te sauver? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ah, je comprends mieux. Une mauviette comme toi n'aurait pas pu tuer nos gars tout seul. Dis-nous avec qui tu travailles. Parle. Personne. Je vous en prie, je vous jure. Sauve l'otage. Cet homme n'est pas un tueur. Pitié, je n'ai rien fait de mal. Boucle-la, sinon ça fera encore plus mal. Il est temps que je les arrête. Ils ont toujours l'air surpris. Il y a encore un truc là-bas à trouver. Eh hey, mais il y a encore plein de criminels. Il y en a plein, plein, plein. Je crois que cette vidéo va durer une quarantaine de minutes. Car j'aimerais bien me caler dans un moment où je retourne en ville pour pouvoir effectuer des petits lives pour vous, les petits amis. Pile ce que je voulais. Encore de l'XP. C'est mon jour de chance. Ah, montrez-vous. Ton imagination. Tais-toi. J'ai entendu un bruit. Oui. Se pencher. Est-ce qu'il y a moyen de te choper, toi? Comme ça.
Toujours pas d'audio à ramasser. Toi, je peux t'attraper ou pas? Coucou. Non, tu me tiens pas. Je vais t'écraser. Moi j'ai combattu un truc. Spider-Man. Je le savais, il est de mèche avec le dieu. Ah putain, vite, 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 le civil là. Si j'étais vraiment avec Carnage Killer, vous seriez déjà mort. Vous avez de la chance. Ok, détachons ce petit civil. Ces crapules ont l'air de croire que vous avez tué leur copain. Je n'ai rien fait. Je me dirigeais vers ma voiture quand j'ai vu quelqu'un attaquer un de ces Russes. C'est lui le tueur, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai crié. Le tueur a fui. J'ai voulu essayer d'aider la victime. Mais les autres sont arrivés. J'avais du sang sur moi. Alors, ils m'ont tout de suite accusé. L'homme que vous avez vu commettre le crime, à quoi il ressemble? Blanc, cheveux roux, mince, des yeux fous. Une force démente. Il avait l'air complètement cinglé. Vous êtes du New Jersey, à ce que je vois. Si vous prouvez que vous n'étiez pas en ville quand Carnage Killer a frappé, tout ira bien. C'est facile. J'étais à San Diego toute la semaine, pour une convention. J'ai appelé une ambulance. Vous n'avez rien à craindre. En vrai, j'ai appelé personne, moi. J'ai appelé personne, hein. Bref. J'espère qu'on va retourner en ville pour pouvoir mettre un terme à cette vidéo, les petits amis. Craven, j'ai obtenu une description de Carnage Killer. Excellent. J'ai identifié son terrain de chasse grâce à la carte que tu m'as donnée. Vous croyez qu'il va tuer ce soir? Un véritable prédateur n'interrompt jamais sa traque, mon ami. Moi, si. Retrouve-moi à l'endroit que je vais t'envoyer. Allez, c'est pas bientôt fini tout ça. Bon, est-ce qu'il y a moyen, juste avant, de faire une petite amélioration ou pas du tout? On a 6300. L'adhérence, ça peut être pas mal, mais j'aimerais bien deux trucs à 300, si vous voyez ce que je veux dire. Histoire de genre le frappe de fronde. C'est quoi déjà? Grâce à sa faculté de concentration, Spider-Man peut maintenant lancer une attaque de ou frappe de toile pendant une charge de toile. C'est bien ça. C'est très très bien ça. Je valide. Et ça, la fronde numéro 2, je valide aussi. Voilà. Allez, quittez. Du coup, Craven veut que je le rejoigne, mais alors, est-ce que ça va me... J'aimerais juste voir si ça va pas me faire en sorte de me... de m'aspirer dans une mission... Attendez, est-ce qu'on a accès au métro? On a accès au métro. Alors, ce qui est bien, c'est que juste avant cet épisode-là, enfin, juste avant la fin de cet épisode, je vais faire un petit cut. Où je vais vous montrer où trouver le dernier audio qu'on a raté dans la mission avec Wilson Fisk. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire maintenant, là, c'était exactement super. Dans quelques secondes. Et après ce cut, on se retrouvera devant chez Craven ou pour se dire au revoir. Allez. Les petits amis, donc pour trouver le message audio, c'est au niveau de l'entrepôt, là où il y a plein d'ennemis à mettre KO. Il va falloir venir ici, au niveau des deux camions. Et je l'ai raté dans la mission. Ça se trouve exactement là, sur le camion. Allez, on écoute l'enregistrement. D'après nos
au sondage interne, l'image de Spider-Man est extrêmement instable. Le public en sait peu sur lui, il n'aurait donc aucun mal à le craindre. À l'exception des enfants, qui ont l'air de l'adorer. Essayez d'obtenir son droit à l'image. Je doute qu'il soit assez sophistiqué pour avoir pensé à déposer les droits de son costume. Alors autant en profiter. Oh l'ordure. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour dire, pour se dire au revoir, tout simplement. Dans l'appartement, du coup, de Peter Parker, et non pas en ville. A tout de suite. Et me revoilà dans ma chambre, et oui, je me suis retapé le niveau en coup de speed en 17 minutes exactement. Et avant de vous dire au revoir les petits amis, on va se rendre à un endroit où je viens de trouver, lors d'un live, une page de comics qui m'a échappé. Donc on va se dire au revoir dès qu'on l'aura récupéré. Du coup. Alors, la page de comics se trouve exactement, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5. Exactement là. Allez, on y va tout de suite. Comme ça, on va pouvoir se dire au revoir dès qu'on l'aura pris. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il dure presque 40 minutes. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, même s'il a fallu que je me retape tout le niveau. Je sais pas ce que je visais, là. Allez, petite balade de fin qui fait plaisir. Je ne sais pas à combien d'épisodes on va terminer ce let's play. Mais en tout cas, je suis assez motivé pour tout vous montrer. Croyez-moi. Ha ! Vous pensiez que je pouvais pas être plus classe ? Allez. Spidey, bouge-toi. On va pas faire durer 45 minutes cet épisode. Voilà, la page, elle est là. C'est mon jour de chance. Nickel, 298 sur 300. Ah bah, c'est parfait. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. Allez, les petits amis, on se retrouve très vite. Dans l'épisode 12, si je ne me trompe pas. À la prochaine. Bye.